Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour cette table ronde autour du film Nuestra Libertad qui accueille, et nous en sommes très très heureuses, Théodora Vasquez et Selina Et puis ici à côté de moi, Némi Grutter, que je vais encore présenter. C'est une table ronde qui est proposée en collaboration entre le Festival Filmart et le Festival Les Créatives. Qui ont encore lieu aujourd'hui et à demain à tous les deux, et euh, c'est euh, un grand plaisir de pouvoir euh, avoir cette discussion aujourd'hui euh, sur la, des regards croisés sur la question de l'avortement, avec en ligne de mire évidemment la situation actuelle euh, au Salvador, mais aussi euh, qu'est-ce qui se passe ailleurs. Je m'appelle Leonard Porchet, je suis présidente de Santé Sexuelle Suisse, conseil national, et cette année j'ai l'immense plaisir de travailler pour les créatifs et surtout à ce titre là que je suis ici. Et, ah oui, on m'entend beaucoup mieux. Pardon. <laughs> J'imagine que vous m'avez entendu euh, au fond. <laughs> Merci. Pardon. Euh, du coup, je prends euh, deux minutes pour présenter nos invités. Théodore Vasquez, qui est notre euh, thème grand témoin aujourd'hui. Euh, vous avez probablement toutes et tous euh, entendu son histoire. Je la répète en. Quelques mots, en 2007, elle est enceinte, elle est ensuite victime d'une perte euh, périnatale de son bébé et à cause de ça, elle est euh, condamnée à 30 ans de prison pour infanticide parce qu'au Salvador, euh, c'est un corps interdit complètement l'avortement et de nombreuses femmes sont emprisonnées suite à leur fausse couche. En prison, elle s'organise avec euh, ses euh, euh, camarades euh, d'infortune. Euh, parce qu'elles sont nombreuses. Et puis, elle est libérée en 2018 après une longue lutte. Et depuis, euh, et je la cite, elle souhaite lutter tous les jours pour faire sortir, une par une, ses camarades. Et euh, je vais lui donner la parole euh, directement après avoir présenté Célina et Noémie pour qu'elle puisse vous raconter euh, son histoire. À côté d'elle, il y a Célina euh, Escher qui est euh, suisse et salvadorienne, réalisatrice. Euh, elle a étudié le film de, documentaire à l'International Film and Television School à San Antonio euh, de los Baños. Et puis, beaucoup de ses films ont été programmés, primés et elle nous présente aujourd'hui Fly So Far, Nuestra Libertad, euh, qui est un film de 2021 euh, qui a aussi gagné de nombreux prix. Et euh, qui sera présenté directement après cette table ronde pour celles et celles qui ne l'auraient pas vu ou qui souhaiteraient le revoir à juste titre. Et puis euh, à côté de moi, euh, il y a euh, Noémie Grutter, pardon, c'est sur ce côté de la feuille, qui a un master en droit et action humanitaire et certification avancée en études genre à Pisa Sciences Po Paris. Elle travaille actuellement comme coordinatrice des droits des femmes et des questions LGBTIQ, à Amnesty International. Et par ailleurs, c'est une collègue parce qu'elle est coprésidente de l'Association santé sexuelle suisse depuis trois ans. Et elle a aussi créé le réseau jeunes de santé sexuelle il y a quatre ans, qui est aujourd'hui un réseau de 100 jeunes personnes activistes dans le domaine des droits et de la santé sexuelle. Merci beaucoup. À toutes les trois pour votre présence, pour parler aujourd'hui de ce film courageux, poignant et euh, qui appelle à la solidarité internationale comme à la sororité. Et je vais, euh, c'est sur ce mot de sororité que j'aimerais tout de suite passer la parole à Théodora pour pouvoir lui laisser euh, raconter son histoire. Et euh, j'aimerais, je profite juste avant de remercier. Léontine Sumtor, qui est ici en train de lui chuchoter ce que je dis en espagnol. Et puis, euh, ici, il y aura Rossella Medina, qui va très gentiment vous traduire en français euh, ce qui ce qu va être dit ici en espagnol. Et sans elle, on ne pourrions pas avoir cette table ronde. Alors, merci beaucoup. Théodora, je te laisse la parole. Tu es maintenant libre pour raconter ton histoire et ton message. OK, sean muy bienvenidos cada uno de ustedes. Bueno, como saben, yo soy Teodora Vázquez, eh, protagonista de la película Flash so of Far. y realmente, pues, muy encantada de poder compartir con ustedes parte de mi historia y bueno estoy aquí eh, para presentar este la película eh, juntamente con, con mi amiga Selina Escher y, y feliz o sea por, por este momento que nos dan la oportunidad de poder hablar bueno como eh, yo creo que más de algunos ya tuvieron la oportunidad de, de ver la película prácticamente ahí se habla parte de mi historia pero este, realmente yo creo que, que es distinto cuando, cuando ya yo lo cuento, ¿verdad? Porque, porque ya yo lo estoy eh, trasladando, mi historia, a cada uno de ustedes. Bueno, eh, mi caso comenzó en el 2007, el 13 de julio de 2007. Yo estaba embarazada con un embarazo de término, pero este, bueno, eh, estaba prácticamente trabajando porque eh, mi familia, yo prácticamente somos de bajos recursos económicos. Por lo tanto, todos tenemos que aportar para la alimentación de, de, de la casa, ¿verdad? para la familia. Entonces, eh, estaba trabajando. Cuando eh, me quedé un momento sola y empecé a sentir dolores eh, de parto, o sea, entré en trabajo de parto, eh, prácticamente cuando yo empecé a sentir los dolores muy fuertes. Eh, Pensé que era solamente porque estaba cansada, entonces me fui a descansar un momento, pero al, al percatarme que era constantemente, eh, llamé a emergencia. Ya hice llamadas a emergencia, pero no llegaron a, a auxiliarme y yo ya no pude hacer nada por mí porque realmente pues eran demasiado fuertes los dolores eran muy constantes y al final pues mi bebé terminó naciendo donde yo me encontraba eh, lamentablemente pues yo perdí conocimiento en el momento que expulsé a mi bebé y me desangré mucho entonces eh, eh, no lo pude auxiliar entonces eh, no sé si mi hijo Respiró, lloró, no sé si nació vivo o muerto. Lo que sé es que cuando ya yo reaccioné, ya estaban los policías a mi alrededor que me estaban acusando de haber matado a mi recién nacida. Desde ese entonces eh, guardé prisión, eh, fui condenada para 30 años de prisión, de las cuales eh, cumplí 10 años con 7 meses y eh, eh, pues ahora. Eh, por una conmutación de pena eh, yo quedé en libertad, pero el Estado salvadoreño no me ha declarado inocente, no porque tenga pruebas de donde determine que sí yo le hice daño a mi recién nacida. Pero si sí, eh, no me declaran inocente porque el Estado salvadoreño no quiere reconocer que ha cometido un error en mi caso y en el caso de las demás mujeres que han estado en prisión y las que aún siguen estando ahí. Entonces, hasta el momento, pues no tenemos ningún cambio y eso es lo que ha hecho que muchas mujeres estén llegando a prisión desde 1997 hasta este momento. Pues hemos tenido más de 140 mujeres privadas de libertad, enfrentando un, una acusación como la mía y, y bueno, siguen entrando porque mientras las leyes no cambian, pues las mujeres van a seguir llegando porque esta experiencia pues a cualquier mujer le puede pasar. Bonjour, je Je suis la protagoniste du film Nuestra Libertad et je suis très heureuse d'être ici pour présenter ce film avec Selina Escher. Euh, C'est un plaisir pour moi de pouvoir parler de cette question et je pense que vous avez vu le film, donc vous connaissez l'histoire et sinon vous aurez l'occasion de le voir. Euh, je vous raconte que tout cela a commencé le 13 juillet 2007 quand j'étais enceinte et je travaillais. Je travaillais comme tout le reste de ma famille car on n'était pas riche et donc tout le monde devait apporter pour l'alimentation de, des besoins de ma famille. À un moment donné, j'étais toute seule et j'ai commencé à sentir des douleurs très fortes. C'est pour cela que j'ai pensé, bon, je dois faire quelque chose, ces douleurs continuaient. Donc j'ai appelé l'hôpital, j'ai appelé les urgences, mais ils ne sont pas venus à temps. Ces douleurs étaient tellement fortes que finalement j'ai accouché là sur place, là où j'étais. J'ai accouché toute seule. Mon bébé est né, mais j'ai perdu trop de sang et j'ai perdu connaissance. Je ne sais plus ce qui s'est passé à ce moment-là. Quand je me suis réveillée, je ne sais plus si mon bébé avait pleuré, s'il respirait, je ne sais pas. La police est arrivée et on m'a emprisonnée et on m'a accusée d'infanticide. J'étais en prison pendant 10 ans et 7 mois. Finalement, je suis libre, mais pas innocente, parce que le gouvernement de El Salvador... Euh, rec ne reconnaît pas la, mon innocence. Il euh, pense toujours que j'ai fait, euh, de, porté préjudice à mon bébé. Euh, parce qu'au euh, l'état de, de Salvador, il y a toujours la question de la loi qui ne protège pas les femmes et ils ne veulent pas reconnaître l'erreur qu'ils ont commise, Et ça, ça continue depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui. Il y a 140 femmes qui sont en prison, donc qui n'ont pas la liberté et les choses ne changent pas. Aujourd'hui, la situation est encore pareille. Si, merci, ah voilà. merci pour cette traduction. Je vous propose maintenant de voir simplement le trailer du film pour celles et ceux qui ne l'auraient pas lu. J'aimerais maintenant passer la parole à Céline Escher, la réalisatrice du film. J'ai trois questions à lui poser. Euh, Peut-être que je te suggère, Céline, de faire une pause entre chaque réponse pour que la traduction puisse avoir lieu. D'abord, la première, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à faire le film Pourquoi tu as voulu faire ce film Ma seconde question, ce sera comment ça s'est passé, notamment de tourner en prison et de pouvoir. T'adresser à toutes ces femmes. Et puis la troisième question, ça va être quel est l'état actuel au Salvador et l'état des luttes encore à mener eh, Bon, bueno, un gusto ici. Vous m'entendez Oui. Bon, je suis Selina Escher, je suis la directrice de Fly So Far. Et bon, bueno, pour commencer, je suis salvadoreña, je eh, suis féministe et documentaliste. Eh, comencé este proyecto en 2017, pues cuando me entero ¿no? que en El Salvador el aborto está totalmente penalizado y hay mujeres que están injustamente privadas de libertad por tener una emergencia obstétrica y sentenciadas a 30 años de prisión por homicidio agravado. Esto pues me indigna, me da una gran rabia eh, por qué está pasando eso y entonces pues decido ir al Salvador y conocer a las 17, conocer sus historias. Eh, pues entonces eh, pues logro entrar a, a cárcel de mujeres y pues toda esa rabia que yo traía de esta injusticia, eh, pues más que todo se transforma en una gran admiración hacia Todora y a las 17 y cómo ellas logran pues apoyarse ahí adentro y la seguridad ahí adentro. Eh, pues para decirles que en El Salvador el aborto está totalmente penalizado, no se puede interrumpir el embarazo en ninguna causal ni para salvar la vida de la mujer. Eh, ni en caso que el feto sea enviable, ni en caso de violación, ni en caso de una niña de 10 años sea violada y esté embarazada, tampoco puede interrumpir el embarazo. Entonces, pues esto va en contra de los derechos de las mujeres y pues nos han quitado toda la autonomía de nuestro cuerpo en El Salvador. Entonces, la idea de esta película, pues es contribuir a la lucha por la despenalización del aborto en El Salvador y por la lucha por la liberación de las 17. Alors, nous pues, eh, espérons que avec cette film, la gente puisse entrer la situation du Salvador et la situation des femmes. Oui. Euh, bonjour, ouais, c'est vraiment un grand, un grand plaisir pour moi aussi d'être ici avec vous. Et, euh, je suis euh, Celina Escher, la directrice de, du film. Je viens du Salvador, je suis féministe et documentaliste. J'ai commencé ce projet en 2017 et parce que j'avais euh, connu la situation, j'avais su que l'avortement était pénalisé à El Salvador. Donc il euh, y avait des femmes qui restaient sans liberté euh, pour 30 ans euh, pour des questions d'avortement de, 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 considérées comme un homicide aggravé. J'étais vraiment très en colère pour cette situation. Et euh, quand j'ai connu cette histoire, j'ai voulu euh, faire ce tournage. Donc je suis allée dans la prison avec une grande colère, avec un grand sentiment d'injustice, mais aussi en connaissant les 17 femmes qui étaient en prison pour cette raison, avec un grand sens d'admiration vers ces femmes et leur solidarité. Euh, donc euh, comme vous avez vu dans le film, au Salvador, l'avortement est complètement pénalisé. Et donc la femme n'a aucun droit. Euh, ni en euh, cas de viol, euh, ni s'il y a un problème du fœtus, c'est-à-dire il euh, n'y a aucune cause pour laquelle l'avortement est permis. C'est une violation, à mon avis, euh, des droits de la femme et qui n'ont aucune autonomie sur leur corps. Donc euh, il faut que cette lutte continue pour euh, une dépénalisation de l'avortement et pour pouvoir aussi libérer ces 17 femmes qui restent encore en prison aujourd'hui. entonces cuando la primera vez que entré a cárcel de mujeres fue ahí donde conocí a teodora y pues me di cuenta que pues ella es la vocera las 17 y pues tengo una gran admiración hacia ella y toda la fuerza que ella tiene y ahí fue cuando hablamos juntas de hacer una película y de sacar las historias de la cárcel para que el mundo conozca lo que está pasando entonces voy a contar un poco cómo fue la filmación eh, pues fue un proceso también eh, bastante difícil porque para obtener un permiso pues un Proceso bastante burocrático, eh, tuve que esperar mucho tiempo eh, para obtener los permisos. Por ejemplo, hay unas imágenes en los, en los dormitorios que pues, tardé dos años en que me dieran ese permiso para poder ingresar. Entonces, cada vez que yo entraba a cárcel tenía dos horas de tiempo de visita para poder entrevistar, conocer, eh, poder filmar en ese espacio. También siempre estaba controlada por un guardia y bueno siempre tenían un control de cuál es el equipo que entraba eh, bueno siempre hay un, un bastante control para poder estar en la cárcel eh, pues es una situación bastante tensa eh, es pues muy poco tiempo para poder filmar pero bueno logré entrar varias veces y poder que ellas me conozcan y, y yo conocerlas a ellas y siempre para mí era importante hablar con ellas cómo se sentían en esa situación y y bueno, fue así que comenzamos a hacer este proyecto. Fueron tres años de filmación y dos años de postproducción. Entonces, este año comenzamos en marzo, comenzamos el tour de festivales y hemos mostrado la película en varios lugares. Y hemos contactado también varias organizaciones eh, de los derechos sexuales reproductivos y, de y derechos humanos durante todo este recorrido. Sí. Um. Donc, je vous disais que je suis allée en prison avec l'idée de, de, de montrer cette histoire et j'ai parlé avec les 17 femmes, mais en particulier avec Théodora. Et j'ai reconnu sa force. Donc, en parlant avec elle, je me suis rendu compte que je voulais que cette histoire puisse être connue en dehors de la prison. C'était un processus difficile euh, à cause de tout, toutes les autorisations qu'il fallait pour pouvoir tourner. Euh, par exemple, je voulais tourner dans les dortoirs et j'ai dû attendre deux ans pour avoir l'autorisation. Après, je n'avais que deux heures de visite à chaque fois donc euh, pour pouvoir entrer dans cet espace et j'étais toujours très contrôlée, euh, c'était toujours très compliqué de rester et de faire tout en si peu de temps. Donc il y avait toujours pas mal de tensions, peu de temps pour filmer et pour cela j'ai dû retourner plusieurs fois en prison et j'ai pu euh, parler avec ces femmes et c'était très important de sentir euh, leurs émotions, de pouvoir savoir comment elles se sentaient. Le film s'est fait avec un tournage qui a duré trois ans, deux ans de post-production, et à partir du mois de mars, nous avons commencé la tournée dans les festivals, et euh, nous avons été invités par plusieurs organisations qui s'occupent des droits de sexuels et de reproduction, et même d'organisations de droits humains. Et bueno, sobre la situación Salvador, El Salvador, pues, eh, contarles de que hubo una propuesta de ley de despenalizar el aborto en cuatro causales. Eh, las cuatro causales son si, si corre riesgo la vida de la mujer, Eh, en caso de violación, en caso que el feto no sea enviable, en caso de violación a menor. Entonces el movimiento feminista pues ha estado luchando eh, y el partido de izquierda de El Salvador lucharon pues, por despenalizar el aborto, pero ahora el gobierno actual pues mandó a archivo esta ley. Entonces ahora pues está una situación muy difícil. Eh, porque pues no hay posibilidad de despenalizar el aborto en el Salvador. aparte de que estamos viviendo un régimen dictatorial, un régimen autoritario en el Salvador, donde no hay división de poderes donde el presidente tiene todo el poder en el parlamento y en la sala de lo constitucional, eh, aparte de que no es un estado laico ya que en la Constitución dice que la vida comienza desde la Concepción y bueno el presidente reiterado a veces ha dicho que no eh, va a despenalizar el aborto en ninguna causal, Et, bon, à part que elle, ahora se puede reelegir y van hacer una nueva constitution, pero esa nueva constitution no va cambiar la la loi de l'avortement. Donc, oui, il y a eu un processus qui a commencé pour dépénaliser l'avortement, seulement pour quatre raisons. Une, c'est si la femme est à un risque de, sur sa vie, en cas de viol, en cas d'un problème de santé dans le, pour le fœtus, et en cas de violation de mineurs. C'était grâce à une lutte menée par le parti de gauche au Salvador que cela a été possible, mais en ce moment, cette loi a été euh, archivée. Euh, nous vivons dans un régime de dictature, dans un régime très autoritaire où euh, le président euh, a le pouvoir complet, le pouvoir absolu euh, au niveau constitutionnel. Euh, ce n'est pas euh, non plus euh, une, un état laïque dans le sens que la vie est considérée telle depuis le moment de la conception. Et même s'ils sont en train de parler de la possibilité d'avoir une nouvelle constitution, cette question-là n'est pas du tout incluse, ça ne va pas changer. Merci pour euh, ce témoignage, Célina. En fait, ce film, c'est euh, un avertissement euh, puissant jusqu'où les gouvernements sont prêts à aller pour contrôler euh, le corps des femmes. Et euh, évidemment que l'exemple du euh, Salvador est particulièrement euh, extrême. Euh, et, mais il était important pour nous aussi aujourd'hui d'apporter euh, une perspective euh, internationale euh, et peut-être de ce qui se passe en Suisse, parce que même en Suisse, il y a des obstacles à l'accès à la contraception et à la santé sexuelle. Et euh, c'est les questions que je souhaite euh, poser à Noémie. C'est quoi l'état des lieux en Suisse, euh, mais peut-être dans le monde, et puis euh, les enjeux actuels Et puis j'aimerais que tu puisses euh, parler d'un enjeu qui est en Suisse, mais c'est aussi le cas aussi au Salvador. Important, c'est la question économique. Oui, merci beaucoup euh, que je peux parler ici. C'est un honneur vraiment d'être à, à côté de Théodora, qui est une grande inspiration pour, je pense, toutes les activistes féministes dans ce monde. Euh, oui, alors en Suisse, comme j'espère tout le monde sait, c'est légal l'avortement depuis 2002. Euh, avec une initiative populaire, on pouvait voter et, et c'était une grande majorité qui a dit oui. Euh, du coup, on a le droit de faire une, un avortement jusqu'à euh, la 12e semaine d'une grossesse en Suisse. Et après, euh, il faut un jugement d'un médecin si c'est possible, après 12 semaines. Et c il y a des possibilités. Euh, et la seule, le, le choix, c'est vraiment chez la femme. Et il n'y a aucune euh, obligation de faire des consultations ou n'importe quoi. Mais euh, il y a plusieurs obstacles qui persistent en Suisse. Euh, et je pense, c'est un peu une parallèle avec El Salvador, c'est les personnes les plus vulnérables euh, pour qui, souvent, ce n'est pas possible avoir euh, l'accès à l'avortement. Et c'est aussi le cas pour la Suisse. Et euh, la raison, c'est que euh, c'est l'assurance maladie qui paye les avortements en Suisse. Mais comme on sait, les personnes qui vivent en Suisse, on a une franchise. Et euh, si on euh, si n'a pas beaucoup des moyens, on a une grande franchise. Si on est plus riche, on a une petite franchise qui est voilà, notre système. Mais ça veut dire qu'un avortement pour des personnes avec des grandes franchises peut coûter de 500 à 3000 francs. Et euh, bien sûr, il y a plein des femmes qui ne peuvent pas payer ce montant. Et du coup, ça c'est un énorme problème. Ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'il y a des personnes en Suisse qui n'ont pas une assurance maladie. C'est des personnes sans papier, sans statut en Suisse. Et pour ces personnes, voilà, euh, il faut prendre tous les coups pour un avortement. Et déjà, ils doivent savoir qu'ils ont le droit à l'avortement et où aller, etc. Alors aussi très compliqué. Et la troisième euh, problématique en Suisse, c'est que. Les assurances maladie ne peuvent pas garantir la confidentialité. Euh, c'est des raisons bureaucratiques assez complexes, mais c'est très problématique parce qu'il y a plein des cas où c'est impossible qu'un mari, un partenaire, une famille sait qu'un avortement se fait. Et du coup, euh, c'est aussi un grand problème qu'on est en train d'avancer euh, en Suisse et trouver des solutions euh, pour améliorer cette situation. Et euh, avec Covid-19, euh, cette situation s'est aggravée parce que, bien sûr, plein des personnes qui sont déjà dans une pauvreté sont encore plus pauvres parce qu'ils ont perdu des emplois, etc. Et euh, ce que Santé Sexuelle Suisse, par exemple, a fait, c'est de créer une, une, un fonds d'urgence pour payer des avortements. Et euh, ce fonds était... Euh, fini ou euh, vite après quelques semaines. Alors cette nécessité de fonds pour les avortements, est vraiment encore euh, très grande aussi en Suisse. Et euh, je pense une deuxième parallèle avec la situation en El Salvador, et je dirais euh, partout dans le monde, c'est les attaques des, des mouvements anti-choix. Ils se nomment souvent Pro-Life, mais euh, je pense que c'est plus euh, approprié de dire anti-choix, anti-choice movements. Euh, ils existent partout. Ils existent aussi en Suisse, euh, par exemple la Marche pour la vie. Euh, C'est des mouvements conservateurs, chrétiens, euh, qui luttent vraiment pour illégaliser l'avortement, toujours. Euh, et ils attaquent des organisations comme Santé Sexuelle Suisse ils attaquent des personnes qui sont militantes pour l'avortement euh, et au niveau politique, ils essayent aussi d'avancer, bien sûr. Euh, et si on regarde sur le niveau international, euh, pendant la pandémie de Covid-19, plein des gouvernements ont essayé d'aller de, de, euh, vers l'illégalisation de l'avortement en couvrant ou en utilisant le Covid-19. Par exemple, en Pologne, où on connaît la situation qui est super difficile là-bas. Euh, il y a Texas, Ohio, aux États-Unis, qui sont en train de vraiment euh, aller vers une illégalisation de l'avortement. Euh, et par exemple, la semaine passée, en Slovaquie, euh, à deux doigts, ils auraient passé un, un loi qui va illégaliser l'avortement. Du coup, on est vraiment euh, même dans des pays occidentaux. C'est pas du tout euh, le cas que tout est bien concernant les santé, la santé sexuelle et reproductive, et précisément pour euh, le droit à L'avortement. Merci pour cette euh, overview qui n'est pas très réjouissant. Je vous rappelle qu'en Suisse, euh, d'un point de vue politique, on a voté il n'y a pas très longtemps pour retirer l'avortement de la LAMAL, donc de l'assurance maladie. Et euh, je me rappelle que dans ces, cette manifestation, euh, j'avais beaucoup de collègues féministes qui disaient Je ne peux pas croire que je sois encore en train de militer pour ça. Et en fait, euh, ce que l'histoire de ce film et ce que vient de nous raconter Noémie rappelle, c'est que d'un côté, on, nos droits ne sont jamais acquis, et celui, surtout celui-là. Celui et puis, sur la question des enjeux économiques, rappeler une chose qui est vraie partout, c'est en fait, interdire l'avortement, ce n'est pas interdire l'avortement, c'est interdire l'avortement pour les femmes pauvres. Et c'est bien ce qu'a expliqué Théodora dans le film. Et je vais vous passer ici... Un extrait du film qui parle exactement de cela. Dentro de cárcel. En ese momento que los embajadores dijeron de que necesitaban alguna vocera, alguien que hablara por ellas, pues las chicas dijeron que querían que fuera yo. De ahí empezó todo. Il y a une petite confusion dans le, une petite confusion dans la, le suivi des euh, extraits, donc ce n'était pas celui-là. Mais il est très bien aussi. Donc je vais juste vous mettre celui sur l'économie et puis comme ça, on aura déjà vu celui-ci où on voulait parler de, des luttes actuelles. Voilà, tout va bien. Finalement, on s'en sort pas trop mal parce qu'on euh, va pouvoir lier les questions économiques avec la suite de cette lutte euh, qui se passe actuellement au Salvador mais dans le monde entier et dont euh, Théodora est la porte-voix. Donc j'aimerais lui repasser la parole peut-être euh, si elle a un commentaire sur cette question économique mais surtout pour parler maintenant des, de la suite de la lutte, ce qui se passe. Euh, euh, la situation actuelle euh, avec la mobilisation en cours, ce qu'elle porte comme message, et puis on aimerait beaucoup avoir euh, des nouvelles des femmes, de euh, euh, ces sœurs d'infortune de, de, en prison, celles qui ont pu sortir et celles qui sont encore en prison. Bueno, este, se escucha, sí, sí. Bueno, eh, como pudieron ver en el, en el, en el video, Ahí podemos ver este, donde yo estaba reunida con personas eh, de municipios, de barrios. Eh, realmente eh, a la prisión eh, no llegan mujeres que tengan, eh, que tengan dinero, o sea, a cárcel van solo mujeres pobres, mujeres que no tienen recursos y prácticamente eh, de bajos recursos económicos, de baja escolaridad y que vives en un en una, en lugar eh, rural, eh, son las mujeres que van a prisión. Cuando una mujer eh, de, que tenga recursos económicos queda embarazada, eh, paga su boleto de avión y se va para un país donde el aborto esté legalizado y se practica el aborto, regresa a El Salvador y allá no le pasa nada. Eh, si alguna eh, no puede viajar, eh, busca una clínica clandestina. Y se provoca el aborto, igual, no pasó nada. Pero cuando una mujer de bajos recursos económicos y de zonas rurales, que no conoce de leyes prácticamente, eh, llega a una clínica a pedir ayuda, los médicos inmediatamente eh, la denuncian, llaman a la policía para que, para que luego pues, ya procedan a capturarlo. Esta situación ha llevado a que muchas mujeres de bajos recursos económicos, en la mayoría, y, y, o sea, prácticamente estoy hablando de todas las mujeres que van a prisión, son mujeres pobres, mujeres que que no tienen para pagar un abogado para que las defienda. Por eso mismo el estado salvadoreño se empodera de ellas y las condena y las utiliza como ejemplo para que las demás mujeres no, no hagan, no, no se provoquen un aborto. O sea, nos están utilizando prácticamente. Y yo creo que eh, realmente esta situación eh, se ha venido dando, como decía al principio, desde que hubo el cambio de legislación y, y este, empezaron a condenar a las mujeres y prácticamente. Eh, eh, son muchas mujeres que, que han tenido que enfrentar prisión de, de, de 30, 40 años, incluso el diputado que sale también en la película estaba pidiendo 50 años de prisión para mujeres que que se provoca un aborto, pero en el caso de nosotros realmente considero de que es una totalmente injusticia, porque nosotras este no llegamos por aborto a la cárcel, nosotros llegamos por emergencias obstétricas, abortos espontáneos, que creo que es es totalmente diferente a que alguien se provoque un aborto, y eso es lo que que el eh, la justicia salvadoreña lo tipificó como homicidio agravado y nos condenaron a, a cantidades de años. Eh, prácticamente yo creo que, que es una situación muy difícil en la actualidad y sinceramente si esta, si esta realidad del Salvador no cambia, muchas mujeres van a ir a prisión. Van a seguir llegando muchas mujeres porque... Eh, Nadie está excepto a que no le pase no le pase algo similar a lo que nos pasó a nosotras y creo de que eh, prácticamente la falta de educación sexual y reproductiva dentro de las escuelas es algo que no se puede no se puede tocar dentro de las dentro de las escuelas públicas porque ni privadas porque realmente eh, pues lo, lo tipifican como, como un pecado hablar de eso en las escuelas. Eh, creo de que esto es un tema eh, bastante complicado realmente nosotras como mujeres que, que después de haber estado en una prisión ahora estamos luchando por un cambio estamos luchando por la libertad de las mujeres que están privadas de libertad. ahora en la actualidad tenemos 20 mujeres Nous avons 20 femmes qui sont privées et que l'État ne les veut pas donner en liberté. Okay. Bon, comme, comme vous avez vu dans le film, euh, je suis en train de parler dans, devant des gens qui se trouvent dans des quartiers, dans des municipalités. Et, euh, donc, ce qu'on qu sait, ce qu'on voit, c'est que les seules femmes qui sont en prison, c'est les femmes qui n'ont pas d'argent. C'est des femmes qui viennent des zones rurales, qui n'ont pas des ressources économiques. C'est seulement elles qui restent en prison. Parce que si vous avez de l'argent, vous achetez vos billets, vos billets d'avion et vous allez dans un pays où on peut faire l'avortement. Ou bien vous cherchez une clinique clandestine au pays et il n'y a aucun problème. C'est seulement pour les gens qui n'ont pas de ressources et qui ne connaissent pas les lois. C'est celles-là qui ont besoin d'aide. Et justement, quand elles demandent de l'aide, les médecins les dénoncent. Et c'est là le problème. et C'est ces femmes-là qui sont en prison parce qu'elles n'ont pas accès à un avocat. D'ailleurs, l'État de El Salvador les condamne et même les utilise comme une espèce d'exemple pour éviter l'avortement. C'est-à-dire, on nous utilise quand on, on, est, euh, on va en prison. Et vraiment, il est très important ce qui se, de, de parler de ça avec ce changement au niveau de, de, de notre gouvernement. Il y a beaucoup de femmes qui sont en prison pour 30 ans, même pour 40 ans. Et ce député qui parle dans le film, il, a, euh, il est arrivé à demander même 50 ans pour, la, pour un avortement. C'est une situation totalement injuste. Parce que les femmes qui, euh, vont, demander, euh, euh, le, le, qui vont demander de l'aide, ce ne pas des femmes qui veulent vraiment avorter. C'est des urgences obstétriques, c'est des avortements spontanés. Ce n'est pas un homicide. Donc c'est une, une, une situation vraiment difficile. Et si la réalité ne change pas, il y aura de plus en plus de femmes qui vont aller en prison et cela n'est plus admissible. Euh, chez nous, il manque des programmes d'éducation sexuelle et reproductive. On ne peut pas en parler ni dans les écoles privées, ni dans les écoles publiques, parce que c'est considéré comme un péché. C'est un thème complexe et donc c'est important que nous, les femmes et celles qui sont en prison, devons continuer de lutter et devons lutter pour notre liberté. C'est Maintenant, en ce moment, il y a 20 femmes qui sont encore en prison. Merci pour euh, ce témoignage. Justement, la suite de la lutte, je vais peut-être passer à ce sujet la parole à Célina, qui euh, est actuellement en contact notamment avec Amnesty, mais pas que, et qui euh, promeut ce film partout euh, et qui a voilà, beaucoup d'engagement dans ce domaine-là. Célina, peut-être, euh, qu'est-ce qui se passe maintenant eh, Bon, bueno, solo, quería Corto también decir que la total eh, penalización del aborto, pues no solamente es una criminalización de las mujeres por ser mujeres, pero también la criminalización de la pobreza. Entonces, es una persecución de mujeres que viven en pobreza. Eh, pues, nosotras con la película eh, estamos acompañando pues, la, la lucha y también eh, pues, la idea de la película pues, es contribuir a la lucha. Estamos haciendo una campaña de impacto en conjunto a la película y eh, buscando organizaciones de los derechos de las mujeres, organizaciones de la salud sexual y reproductiva que quieran eh, ser parte de esta lucha y cómo buscar también apoyo, eh, pues apoyo internacional, porque lo que ahora es necesario es eh, la solidaridad eh, internacional para que haga una presión al Estado salvadoreño para que cambien estas leyes que son injustas y para que liberen a las mujeres. Entonces, pues, también lo que queremos hacer es un impacto también y que más personas, pues, se motiven y se, se unan a esta lucha. Aparte de decir de que en este momento hay una persecución de defensoras de derechos humanos en El Salvador, hay una persecución a las feministas en El Salvador, y, pues, esto es como importante decirlo porque es lo que está pasando ahora, en este momento, o sea, ser una persona crítica en El Salvador, criticar al gobierno y criticar la dictadura que está pasando en El Salvador, pues eso conlleva a la persecución política y, bueno, en este caso también a la persecución a las feministas. Como se dicho, Euh, la pénalisation de l'avortement est une criminalisation des femmes et en particulier une criminalisation des femmes et de la pauvreté. Donc, nous voulons accompagner cette lutte et nous, pour cela, nous allons montrer le film partout. Nous voulons faire une campagne et nous essayons de trouver des organisations qui s'occupent des droits des femmes et des droits sexuels et reproductifs et pour trouver des, euh, des soutiens au niveau international. Euh, donc, euh, nous cherchons une solidarité internationale pour pouvoir faire pression contre El Salvador afin que la loi puisse être changée et qu'on puisse libérer les femmes qui sont en prison. Nous voulons donc faire une campagne d'impact pour pouvoir soutenir ces luttes parce qu'en ce moment, Moment, à El Salvador, les femmes et les femmes féministes sont persécutées et toutes les voix critiques sont persécutées vu que notre gouvernement est une dictature. Donc, on est persécuté au niveau politique et en tant que féministe. Caso de Manuela enfrente la corte interamericana. Et... y estamos esperando el veredicto de la corte interamericana entonces eh, sería si el Salvador es culpable de todas las violaciones de derechos humanos cometidas contra Manuela Manuela era una mujer que también eh, vivía en el campo eh, y también eh, vivía en una situación de pobreza ella tuvo una emergencia obstétrica un aborto espontáneo causado por el cáncer de linfoma que ella tenía a ella eh, la criminaliz criminalizaron desde los en el hospital eh, también eh, le dieron 30 años de prisión por homicidio grabado y ella murió en cárcel. Entonces, nosotros estamos exigiendo justicia, justicia reproductiva por Manuela y esperamos que también el mundo se solidarice. Y, bueno, y pronto sabremos el veredicto de la Corte Interamericana. En este momento, euh, nuestra amiga Manuela está est en train de le el de la Corte Interamericana. Euh, ce jugement est très important parce que en fait, Manuela avait été accusée de aggravé. Euh, C'est une femme qui était qui habitait à la campagne, qui était pauvre et elle souffrait d'un lymphome, elle avait un cancer et donc elle a avorté pour cela, euh, pas parce qu'elle voulait avorter. Et dès, elle, a, elle a été accusée. Elle a passé 30 ans en fait dans l'hôpital. Euh, donc nous sommes en train d'attendre le jugement pour, pour Manuela. Merci pour euh, cet état de la lutte. Euh, merci aussi pour ce film qui dénonce et puis qui se montre en solidarité avec euh, les femmes euh, du monde entier. Et je pense que vous pouvez avoir évidemment euh, la solidarité des féministes euh, suisses ici. Et justement, peut-être que je donne euh, la parole à Noémie pour un petit mot des luttes féministes à ce sujet ici et dans le reste du monde. Et puis ensuite, euh, on passera la parole à Théodora pour une conclusion. Et puis à la salle pour vos questions. Oui, euh, les luttes sont énormes <laughs> et euh, ils grandissent. Ça veut dire euh, la dernière euh, année, on a vu vraiment une, une mobilisation énorme pour euh, les sujets comme le droit à l'avortement. On a vu ça en, en Europe de, de l'Est, comme Pologne, où des millions de personnes, euh, des milliers de personnes sont allées sur les rues. Pour, ce, ce, pour combattre en fait cette illégalisation de l'avortement. et aussi par exemple un, un exemple très réjouissant c'est l'argentine où la vague verte et la mobilisation des féministes depuis des années euh, ont permis de vraiment faire un changement et euh, arriver à la légalisation en argentine. et c'était un combat vraiment énorme et vraiment portée par des activistes féministes. Et euh, des cas comme Manuela qui sont portés sur euh, un niveau plus haut, régional, des cours régionales des droits humains ou internationales, c'est très important. Et il faut des organisations qui soutiennent ces démarches et il faut une mobilisation des féministes qui soutiennent pour que euh, des autres gouvernements euh, mettent la pression aussi euh, sur ces cas. Et ça, c'est aussi vraiment euh, le rôle des grandes organisations internationales comme Amnesty International, c'est de soutenir ces féministes qui se combattent sur le terrain et de les protéger, parce que comme euh, comme vous deux vous avez dit, euh, c'est ils sont en danger en fait dans ces pays les activistes féministes et il faut vraiment les protéger parce que c'est le travail le plus essentiel. Euh, D'aller sur les rues et de, de, de être, faire du bruit euh, sur ce que se passe euh, dans ces pays. Merci Noémie. Je vais maintenant passer la parole à Théodora pour qu'elle puisse conclure cette rencontre. Peut-être qu'elle euh, pourra nous raconter aussi pourquoi c'est finalement la solidarité et la sororité qui euh, sont pour elle euh, une solution euh, dans cette euh, lutte pour les droits des femmes et particulièrement les droits des femmes euh, salvadoriennes. Bueno, este, realmente yo creo que la solución es que, que hay un cambio de legislación en el Estado salvadoreño para que la historia no se repita en las generaciones futuras. Eh, que el Estado salvadoreño libere a las 20 mujeres que están en prisión para que puedan reunirse nuevamente con su familia, para que no se marchiten dentro de prisión. Eh, prácticamente, y que hayan procesos eh, de reinserción al momento de recuperar nuestra libertad, ya que este, eh, nosotras vivimos doble condena, porque una es la cantidad de años que el Estado salvadoreño nos, nos pone, pero la siguiente es eh, los antecedentes penales que tenemos cuando ya hemos salido en libertad, porque no encontramos oportunidades eh, de empleo. Y si nosotras éramos pobres cuando entramos a prisión, cuando salimos salimos peor más pobres todavía. Y necesitamos oportunidades, necesitamos proyectos de reinserción, proyectos de salud, proyectos de salud mental, proyectos de becas para las mujeres. Necesitamos este espacio para convivir. Necesitamos, eh, necesitamos becas para nuestros hijos, porque también ellos eh, vivieron la prisión junto con nosotras, porque no estuvieron al lado de nosotras. Yo creo que esto es muy importante. Pero realmente hay algo, hay algo más preocupante, porque realmente eh, nosotras venimos acá eh, y estamos proyectando eh, la película con la intención de sensibilizar, con la intención de que se conozca, no solamente por hacernos famosas de una película, sino para que haya un cambio eh, a nivel mundial, para que las mujeres latinoamericanas no tengamos que pasar por prisiones, por un tema de emergencias obstétricas, abortos espontáneos. Realmente yo creo que para mí esto es bien triste, realmente eh, porque eh, yo eh, en lo personal estoy totalmente agradecida por todo el apoyo que hemos recibido y muchas gracias porque realmente están acá para apoyarnos, pero este, pues hasta el momento pues, no hemos tenido una entrevista con una... Con periodistas de, de acá de Suiza para que se dé a conocer esta película con más potencia, que tenga más visibilización y que se pueda ver a nivel mundial, porque realmente no, solo, no solamente somos estrellas de películas, sino que también somos mujeres que queremos acciones, real, realezas, queremos que se cumplan este, cada una de las necesidades, que se liberen a las mujeres, que, se, que el Estado salvadoreño se sienta presionado y que liberen. Y que cambie la legislación porque eso es lo que he venido yo a Suiza a buscar un cambio. Muchas gracias. estamos aquí para poder. essayer de changer cette loi et pour faire en sorte que toutes ces femmes puissent avoir un futur. Moi, j'aimerais beaucoup que ces 20 femmes qui sont encore en prison puissent enfin être libres, qu'elles puissent retourner dans leur famille et qu'elles ne pourrissent pas en prison. Il nous faut aussi des projets de réinsertion après avoir de la liberté. Parce que pour nous, c'est une double condamnation. On passe tellement d'années en prison et quand on sort, on est de toute façon pénalisé. On est pauvre et on n'a rien. Donc, il nous faut des projets de bourse, des projets de santé, de santé des projets de réinsertion, des bourses pour nos enfants, parce que nos enfants aussi subissent la prison vu qu'ils ont grandi avec nous. Donc c'est vraiment pour moi une grande inquiétude. C'est important de voir ce film, c'est parce que nous sommes ici pour sensibiliser tout le monde à cette question, pour que cette question soit connue au niveau international et pour que toutes les femmes dans le futur ne partent plus en prison pour des urgences obstétriques et pour des avortements spontanés. Donc je vous remercie vraiment énormément pour votre soutien. Mais ce que je voudrais dire vraiment, c'est que bien sûr, on est là et on n'est pas des, des stars de cinéma. Nous, on est là parce qu'on veut visibiliser cette question. On voudrait avoir des entretiens avec des journalistes pour que cette question soit connue, ce qui n'a pas été encore le cas jusqu'à maintenant. Donc, euh, il s'agit de, de pouvoir changer la situation, faire pression contre l'État du Salvador, changer la loi. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous voulons des actions concrètes. Et le moment. Eh, quiero comentar de que eh, pues, nosotras tampoco nos hemos quedado de brazos cruzados en El Salvador, sino que también tenemos un proyecto como Mujeres Libres El Salvador. Bueno, de hecho yo soy la directora de esa organización y ahora tenemos un proyecto de acompañamiento al proceso de reinserción a las mujeres exprivadas de libertad. Eh, tenemos una casa eh, donde las mujeres que no tienen, porque lamentablemente las mujeres que entran a prisión por emergencia obstétrica, en eh, muchas eh, el proceso ha logrado, ha logrado eh, que la familia también las abandone y no tienen lugar para irse cuando ya recuperan su libertad. Entonces nosotros tenemos una casa que ha empezado a funcionar desde de el 2018, cuando yo recuperé mi libertad, y eh, prácticamente este es una, una casa donde... Donde pues, se le gestiona todo lo necesario desde temas psicológicos, salud y, y bienestar social y económico también. Se buscan proyectos para, para que ellas tengan emprendedurismo, para que se empoderen, para que sepan de que hay alguien que las está apoyando y realmente, pues. Eh, nos gustaría pues, contar con el apoyo de, de ustedes también, porque realmente pues, son mujeres, a, a nivel general, pues somos mujeres y, y, y este, pues, estamos en un proyecto de, de empezar de nuevo, de, de volvernos a, a, a reconstruir a pesar de nuestras lágrimas, ¿verdad? Porque, porque hemos eh, pasado por situaciones muy difíciles y que consideramos de que es el momento en que nuestras vidas den un giro positivo a nuestro alrededor. Mm. Je voudrais juste ajouter que nous ne sommes pas restés les voir croisés. Nous avons, euh, nous avons créé une organisation justement qui a euh, réuni euh, les femmes pour qu'elles puissent reprendre, retrouver leur liberté en El Salvador. C'est un projet que j'ai commencé quand je suis sortie de prison et nous accompagnons les femmes qui sortent de prison pour leur réinsertion. En particulier, les femmes qui ont eu, euh, eu un problème d'urgence obstétrique quand elles sortent de prison, souvent se retrouvent seules, leur, même leur famille les a abandonnées. Donc nous avons une maison où nous pouvons les accueillir. Cette maison a été ouverte en 2018 et euh, c'est quand je suis justement, je suis sortie de prison, et nous les aidons dans la gestion de toutes les questions au niveau psychologique, de leur santé, du, du bien-être socio-économique. Nous les accompagnons pour, pour, pour qu'elles puissent entreprendre une, activi une activité. Et pour cela, nous avons aussi besoin de votre soutien. Donc, il s'agit euh, de euh, commencer de nouveau. Euh, à partir des larmes versées, nous commençons une nouvelle vie. La situation d'avant a été difficile, mais nous voulons qu'il y ait un changement positif pour nos vies. Merci beaucoup, merci beaucoup pour ce témoignage, Théodora. Merci à vous trois, en fait, pour votre participation à cette table ronde. Je pense qu'on peut les applaudir déjà maintenant. Et puis, il nous reste un tout petit peu de temps pour quelques questions. Euh, J'imagine qu'il y en a. Il doit y avoir un second micro quelque part. Voilà, s'il y a des questions dans la salle, c'est maintenant profitez. Euh, ben, euh, oui, ben, merci pour, pour cette table ronde vraiment très 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 intéressante et puis pour ces cas euh, incroyables. Euh, J'avais une question par rapport à la Suisse. Euh, moi, je suis arrivée en Suisse en 2008 et puis j'ai appris ici que l'avortement avait été légalisé en 2002, euh, ce que je trouve euh, aberrant. Euh, je me demandais quelle était la situation avant et puis euh, bah, euh, c'est grâce à une initiative, hein, si j'ai bien compris que ça a été légalisé ou euh, enfin juste rappeler euh, ce qui s'est passé à cette époque et ce qu'il y avait avant. Merci. Oui, je pense euh, Léonore peut aussi me, <laughs> comme euh, politicienne, me compléter. Euh, oui, si je ne me trompe pas, avant, euh, c'était nécessaire d'avoir une consultation. Euh, avant d'avorter, de, de ce qui n'est plus le cas, et ce n'était pas pris en, pris en charge de l'assurance assura, maladie. Euh, et c'était un référendum, mais pas une initiative qui, qui euh, était prise lors des délibérations en Parlement. Euh, et c'est pour ça que le, la population suisse a voté. Euh, et heureusement, c'était tellement clair et je pense que euh, c'est aussi à cause des luttes féministes depuis des années euh, que c'était possible d'avoir de, de une majorité qui dit euh, oui, on veut avoir ce, ce, ce avortement qui est légal, qui est sûr euh, et qui est pris en charge par l'assurance maladie. Alors pas encore gratuit, ce qu'on aimerait bien euh, avoir dans bientôt. <laughs> Est-ce qu'il y a une autre question Oui, madame. Là. Ah, tout d'abord, bravo pour ce film, euh, très très bien fait, et merci pour, euh, pour toutes ces informations très touchantes. Euh, moi, j'avais deux questions, fait. La première, c'est est, est -ce comment est-ce qu'on peut contacter quelqu'un si, si on peut apporter un soutien ou si on peut si on enfin si on veut discuter pour trouver peut-être un soutien ou proposer un soutien. Ça, C'est la première question. Et puis la deuxième question, c'était, euh, moi j'ai entendu le mot persécution. Est-ce que sur un plan juridique, on pourrait parler de cas de, 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 de Presque, un, un, comment dire, accorder un droit d'asile à, à ces, ces, ces femmes qui sont en quelque sorte prises en otage par, un, par une euh, législation euh, presque féminicide. Puisqu'on peut partir d'idée que de toute façon, il y a un certain pourcentage de femmes qui vont avoir des problèmes obstétriques euh, à un moment donné euh, dans la population, donc euh, qui vont aller en prison quelque part, si elles ne sont pas défendues. Euh, voilà, si on assimile leur, leur situation. Euh, D'urgence euh, à obstétrique à, à des avortements condamnables. Euh, C'est un peu une logique que je me faisais. Alors euh, peut-être, euh, euh, merci. Mm -hmm. Je vais déjà laisser euh, Céline répondre à la question comment on peut aider et Je pense que la question est commune à toute la salle, puis ensuite je vous répondrai. Il y a beaucoup de manières que se peut appuyer la lutte en El Salvador et la lutte pour la libération de la 17 En este momento Amnistía Internacional de Alemania tiene una petición donde se puede firmar y una carta al presidente diciéndole que, pues, que cambien las leyes que están injustas que despenalice el aborto y que libere a las mujeres que están eh, injustamente privadas de libertad. También se puede difundir eh, pues, información para que más gente sepa lo que está pasando en El Salvador. Se puede hacer presión al gobierno eh, suizo para que haga presión al gobierno salvadoreño para que liberen a las mujeres y cambien la ley. Eh, también se pueden organizar eh, proyecciones conjunto con organizaciones de derechos humanos, derechos de salud reproductiva y organizaciones feministas. Eh, no, o sea, nosotras con mucho gusto participamos en esas proyecciones y podemos hablar de la situación del de Salvador. Entonces, creo que hay, hay muchas maneras, también se pueden apoyar directamente los proyectos eh, de la organización Mujeres Libres y todos los proyectos que están haciendo allá en El Salvador, esa es una manera de apoyar. La otra es hacer eh, un pronunciamiento cuando sepamos el veredicto de la Corte Interamericana en caso de Manuela, eh, que el Salvador pues, sea condenado a, y culpable por las violaciones de derechos humanos cometidas a Manuela. Entonces, pues en ese momento, cuando eh, sepamos ese veredicto, que van a ser en los próximos dos meses, pues eh, les invitamos a pronunciarse. Eh, y mostrar su solidaridad con las 17. Eh, Esas pues, creo que son varias maneras que, que se pueden eh, hacer, son varias maneras que se pueden eh, pues, apoyar y organizarse también aquí, creo yo. Eh, pues fue, digamos, el 28 de septiembre. También hay como fechas muy importantes: no? el 28 de septiembre, el día de la despenalización del aborto, luego el 25 de noviembre, el día de no violencia hacia la mujer, luego está el 10 de diciembre, que es el día de los derechos humanos eh, internacionalmente. Entonces, son fechas importantes que se pueden hacer pronunciamientos. Alors il y a plusieurs manières de pouvoir soutenir nos luttes. Euh, par exemple en ce moment, il y a Amnesty International en Allemagne qui a lancé une pétition que vous pouvez suivre et signer. Vous pouvez écrire une lettre au président pour libérer les femmes qui sont encore en prison. Vous pouvez diffuser l'information euh, de sorte que le gouvernement suisse prenne position contre le gouvernement de El Salvador on peut organiser des projections avec les organisations de droits humains les organisations féministes les organisations qui s'occupent de la santé sexuelle et reproductive euh, vous pouvez aussi bien sûr appuyer, appuyer et soutenir les projets de, de l'organisation mujeres libres au salvador. Aussi, on attend le jugement de la Cour interaméricaine inter euh, dont on a parlé tout à l'heure. Euh, si Manuel a donc est, um, a un jugement qui est positif, ben, ça sera une occasion pour pouvoir pour pouvoir condamner El Salvador comme un pays qui a euh, commis une violation des droits humains. Et c'est un moment où je vous invite à vous prononcer. Et ça sera un moment propice pour pouvoir inviter à la libération des autres femmes qui sont en prison. Après, il y a des dates euh, euh, particulières comme le 28 septembre déclaration de l'avortement, le 10 décembre pour le droit humain, il y avait une autre date que j'ai que j'ai je n'ai pas remarqué, le, 25 et le 25 novembre. Et le 25 novembre aussi, c'est des dates particulières dans lesquelles vous pouvez aussi vous prononcer pour soutenir nos luttes. Et puis euh, je viens de, de double latéralement décidé avec ma collègue des créatifs qu'on va partager la pétition d'Amnesty sur les réseaux des créatifs donc vous pourrez retrouver ici si jamais. Sur votre question euh, propre euh, au droit d'asile. Il faut rappeler que le droit d'asile en Suisse est une honte intersidérale en ce qui concerne la protection des femmes. Je donne un exemple. Euh, actuellement en Suisse, si vous êtes une femme euh, sans passeport suisse, mariée en Suisse et que vous êtes battue, vous êtes renvoyée dans votre pays si vous portez plainte. Voilà où on en est. Euh, euh, voilà. euh, donc, euh, évidemment que les femmes en danger dans leur propre pays, si elles avortent, ne sont pas protégées. Euh, mais c'est tout à fait une question que je peux tout à fait porter <laughs> avec plaisir au Parlement. On est actuellement en train d'essayer de, de modifier ce que je, la situation que je viens de vous parler pour les femmes victimes de violences domestiques. Euh, c'est le moment de faire feu de tout bois sur euh, tous les sujets. Et euh, voilà, la session commence euh, lundi. Donc, euh, oui, je vais déposer une question pour oh, en tout cas une question pour sur cet objet là. Je pense que voilà. Le plus de pression, le mieux ce sera. Est-ce qu'il y a d'autres questions On a encore une question. Voilà, madame là-bas. Euh, bonjour. Merci beaucoup euh, Célina, pour euh, pour ce film et euh, d'avoir mis en lumière du coup euh, tout ça et euh, merci beaucoup Théodora. vous êtes un peu enfin euh, je sais pas enfin je sais pas genre une héroïne en fait pour moi enfin euh, je, je suis tellement impressionnée par par vous par votre combat à toutes et euh, ben, merci aussi à vous hein. <laughs> et euh, j'ai une question en fait euh, est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui au Salvador vous êtes euh, euh, vous, vous arrivez quand même à vivre bien, vous êtes vraiment persécuté, vous avez des problèmes. Parce que je sais qu'en Europe, quand il y a eu les, les histoires de même le mariage pour tous, etc., il euh, y avait quand même des menaces sur certaines personnes qui prenaient position. Mais on n'est pas non plus allé jusqu'à des choses, enfin euh, euh, je, je crois, on n'est pas non plus allé jusqu'à des meurtres, des choses comme ça. Mais en tout cas, euh, euh, du coup, je voulais savoir, est-ce qu'elles arrivent quand même à vivre euh, euh, d'une manière... Euh, normal, vamos a decir, euh, en estas posiciones? Eh, bueno, realmente yo creo que para todas las mujeres que luchamos dentro de El Salvador es un desafío. Es un desafío porque eh, nos estamos eh, prácticamente enfrentando contra las leyes. Somos las que hablamos en contra de, de las leyes gubernamentales. Yo creo que es muy, muy eh, difícil realmente, pero este... La persecución está para todas las mujeres que luchamos por, la, por los derechos de las mujeres, pero realmente eh, muchas veces nos vemos inclinadas con la necesidad de, de luchar porque realmente eh, si no lo hacemos nosotras, este, eh, no hay nadie más quien lo haga. Entonces realmente no importa eh, todo lo que podamos vivir o hacer. Eh, o nos puede pasar realmente estamos luchando en contra de la corriente con la única eh, eh, con la única eh, seguridad de que lo estamos haciendo por el bienestar de la mujer salvadoreña y, y claro este no eh, no no es seguro vivir en el Salvador eh, estamos siendo perseguidas Prácticamente, nosotros no podemos hablar libremente del aborto en El Salvador, porque, porque el, con solo hablar del tema, pues es, es muy difícil, pero eh, pues sin miedo a nada. O sea, ya eh, en, mi, en mi propio punto de vista, pues a mí ya qué más me puede pasar. <laughs> Euh, oui, pour toutes les femmes au Salvador, c'est toujours un défi, parce que nous sommes en train de lutter contre la loi, contre le gouvernement, donc c'est difficile. C'est vrai, c'est une situation de persécution contre toutes, toutes les femmes qui luttent, mais ce, ce n'est même pas une question, c'est une nécessité. Si nous ne le faisons pas, qui sait qui va le faire Donc c'est vrai, on, est, on va contre-courant, mais cela n'importe pas. Pour nous, ce qui importe, c'est la sécurité que nous avons en nous-mêmes, que le plus important, c'est le bien-être de toutes les femmes du Salvador. Et bien sûr, le Salvador n'est pas un État où on peut vivre en sécurité. Euh, nous ne pouvons même pas parler de l'avortement. Mais nous n'avons pas peur. De quoi je peux encore avoir peur après tout ça mmh. C'est sur euh, ces paroles assez fortes qu'on va terminer cette table ronde. <laughs> voilà. euh, je vous encourage à rester si vous n'avez pas vu le film. Il est projeté à 16h. Vous devez quand même passer à acheter des billets. <laughs> voilà. euh, ici, mais ce sera ici, dans cette salle. Donc si vous n'avez pas vu ou vous avez envie de le revoir, je vous encourage à le faire. Le film sera aussi projeté le 3 décembre à saint le 4 et le 8 à Zurich. Et euh, normalement, sur les chaînes suisses, euh, si tout se passe bien euh, prochainement, donc vous pourrez le voir euh, normalement à la télévision, et forcez toute votre famille à le faire, et tous vos proches et vos amis, je vous encourage à le faire. Merci infiniment à toutes les trois. Merci euh, évidemment en particulier à Théodora d'être une telle inspiration pour nos luttes. Et puis je vous souhaite un très, très bon suite de week-end, un, une bonne... Euh, Projection tout à l'heure et puis euh, aller faire la fête ce soir, c'est aussi une bonne occasion de le faire et je vous souhaite une très bonne suite de week-end. Au revoir. Oh, merci. Merci. Merci.